Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, le président de la République s'est exprimé mercredi soir dernier, le 28 octobre, sur la situation sanitaire dans le pays et les dispositions mises en œuvre pour enrayer le développement de l'épidémie. Plusieurs dispositions concernent les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, donc l'UTBM. Il nous faut ainsi adapter les mesures qui prévalaient depuis le début de cette année universitaire. Je souhaiterais dès aujourd'hui, vendredi 30 octobre, en préciser un certain nombre. Des compléments d'information vous seront communiqués également dans les jours à venir, dès l'instant où les derniers arbitrages ministériels et rectoraux auront été rendus. Au préalable, je souhaite rappeler que l'ensemble de ces dispositions mises en œuvre au sein de l'établissement, comme le furent les précédentes, visent à permettre de continuer d'assurer nos deux missions premières, d'une part, votre formation, chers étudiantes et étudiants, et d'autre part, nos activités de recherche, tout en mettant en œuvre l'ensemble des dispositions nécessaires à la protection et à l'accompagnement de l'ensemble des membres de la communauté de l'UTBM. Concernant les formations, tout d'abord, quelles qu'elles soient, formation d'ingénieur sous statut d'étudiant, formation d'ingénieur sous statut d'apprenti ou formation de master, les cours magistraux et les travaux dirigés sont assurés intégralement à distance à compter du lundi 2 novembre prochain. C'était au demeurant d'ores et déjà le cas pour nombre d'entre eux, l'établissement opérant depuis le début de l'année universitaire en mode hybride, de l'ordre de 50% de vos enseignements étant dispensés à distance. Les travaux pratiques requérant des moyens matériels et numériques spécifiques continueront d'être assurés en présence, avec des mesures complémentaires qui vous seront communiquées prochainement suite aux derniers arbitrages rectoraux. Il est très important pour de futurs ingénieurs technologues de pouvoir poursuivre ce semestre ses enseignements pratiques. Un ingénieur se doit de penser également avec ses mains. La reprise des travaux pratiques ne pourra s'effectuer cependant dès la semaine prochaine, à compter du 2 novembre donc, mais à partir de la semaine suivante, à compter du 9 novembre prochain. Florence Bazaro, directrice aux formations et à la pédagogie de l'établissement, précisera certaines dispositions à court terme d'ici un instant. De la même manière, il vous sera possible d'accéder aux services communs de documentation de l'UTBM, nos bibliothèques en d'autres termes. Cet accès devra se faire cependant sur rendez-vous et un registre sera très prochainement mis en place à cette fin. Également, certaines activités sociales des associations étudiantes pourront être maintenues et je rencontrerai très prochainement les responsables de ces associations afin d'en préciser les modalités pratiques. Les doctorantes et doctorants du BFC pourront poursuivre leurs travaux de thèse au sein des équipes et des laboratoires de l'établissement. Des attestations à compléter vous seront adressées. Elles vous permettront d'une part de rejoindre l'établissement pour suivre les enseignements en présence. Elles vous permettront d'autre part de rejoindre votre résidence universitaire ou étudiante à l'issue des vacances pour celles et ceux concernés. L'établissement assure ses missions grâce à la présence quotidienne de ses 400 personnels. Au fin de réduire la présence dans les locaux et conformément à la doctrine nationale, le télétravail sera développé chaque fois qu'il est compatible avec la continuité et le respect des missions de chacune et chacun d'entre nous et de la sécurité des systèmes d'information. Toutes les fonctions ne peuvent toutefois faire l'objet d'un télétravail. Il convient donc de développer cette pratique en la conciliant avec les contraintes et le calendrier des activités. Le télétravail repose sur une demande individuelle et ne peut être imposé ni à l'agent ni à l'employeur. Ainsi, son exercice est conditionné par le respect de l'accomplissement des missions et de la bonne organisation collective de chaque entité. Les dispositions pratiques sont ainsi en cours d'organisation et seront déployées à compter du 9 novembre prochain. À cette date, les personnels seront placés soit en situation de travail en présence, soit de travail à distance, soit en congé ordinaire ou soit en congé maladie. Dès à présent, les personnes reconnues fragiles ou vulnérables par certificat médical assurent leur activité en télétravail ou sont placées en autorisation spéciale d'absence si le travail n'est possible au regard des missions qu'elles exercent. Enfin, les seules missions qui ne peuvent être substituées par une visioconférence sont maintenues sur demande expresse et justifiée, validée par la direction de l'établissement uniquement.
L'ensemble des autres missions est suspendu à compter de ce jour. Chers étudiants, chers étudiants, chers collègues, et avant de laisser la parole à Florence Bazzaro, les orientations que je viens de préciser seront complétées au plus tôt et seront susceptibles d'évoluer dans le temps. Je sais toutes les difficultés induites par leur mise en œuvre, mais je sais également toute la résilience et la solidarité de la communauté de l'établissement dans des conditions difficiles. Je sais donc pouvoir compter sur votre engagement et je vous en suis ici très reconnaissant. Je reviendrai prochainement vers vous, chaque fois que nécessaire, ainsi que je l'ai déjà fait, pour partager ensemble de nouveaux éléments. Prenez soin de vous et que vive l'UTBM. Au niveau de l'organisation de la continuité pédagogique, je souhaiterais attirer votre attention sur plusieurs points. Le premier point, important, concerne le déroulement des activités pédagogiques. Dès ce jour pour les apprentis et dès le lundi 2 novembre pour l'ensemble des étudiants, les cours magistraux et les travaux dirigés seront réalisés en distanciel jusqu'au 1er décembre à minima. En ce qui concerne les travaux pratiques, nous sommes en attente des derniers arbitrages ministériels quant aux modalités de mise en œuvre. En conséquence, pour la semaine du 2 au 7 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, l'intégralité des TP sera réalisée en distanciel. Un deuxième point important concerne la semaine des médians, initialement prévue du 2 au 7 novembre. Durant cette semaine, un certain nombre d'examens en présentiel devaient se tenir. Il a été décidé de reporter l'ensemble de ces examens à la mi-novembre. En fonction des protocoles sanitaires qui nous seront transmis par le ministère, ces examens se dérouleront soit en distanciel ou, si nous le pouvons, en présentiel. En accord avec les équipes pédagogiques des différentes UV, un nouveau calendrier vous sera transmis rapidement. Un dernier point important sur lequel je souhaite insister est la disponibilité de l'ensemble de vos équipes pédagogiques et de l'ensemble des services pour vous accompagner durant cette période que nous savons particulièrement éprouvante pour chacune et chacun d'entre vous. En cas de difficultés pédagogiques ou matérielles, vous devez alerter rapidement vos responsables d'UV et de formation. Vous devez également informer en parallèle la direction formation et la pédagogie à l'adresse dfp@utbm.fr. Par ailleurs, le service médical de l'établissement est également à votre disposition pour toute problématique médicale, mais également personnelle qui pourrait vous impacter. Vous pouvez le contacter sur l'adresse service.medical@utbm.fr. Il est extrêmement important que vous fassiez connaître vos éventuelles difficultés afin que nous puissions vous accompagner au mieux. Il y a quelques mois, que ce soit en tant que lycéen, lors de votre précédent semestre en une autre formation supérieure ou à l'UTBM, vous avez su vous mobiliser, garder votre motivation et valider votre année. Vous avez su trouver des stages dans des conditions extrêmement difficiles. Un nouveau défi se présente aujourd'hui devant vous et nous en connaissons l'ampleur. Une seule ligne de conduite est possible. Restez motivé, engagé dans votre cursus et soyez proactif. Nous savons que vous pourrez dépasser tous les obstacles. Vous êtes les ingénieurs UTBM de demain. Prenez soin de vous et de vos proches.